Salut à tous et à toutes, c'est ZPP, et on se retrouve pour une nouvelle vie. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 pour mieux parler, donc je fais plus WW2 parce que c'est chiant. Du coup si j'ai toujours la même voix, c'est parce que je tourne à la suite de l'épisode 4, mais là c'est l'épisode 5. Dans l'épisode 4 on a fait sauter un train. Dans cet épisode on va bien voir ce qu'on va faire. Campagne. Et c'est parti pour la libération de Paris à mon avis. Enfin, c'est pas là Paris, non? C'est là Paris sur la France? Peut-être. Août 1944. Ça y est, on y est. Nous allons libérer Paris. Ah bah oui. La deuxième blindée française et la quatrième d'infanterie américaine arrivent à l'aube. Cela veut dire qu'on va bouger ce soir. Allez! Eh ben, c'est parti! Ça fait une semaine qu'on a démoli ce train. On est au beau milieu de Paris et on travaille avec la résistance. Rousseau et Crollet veulent saboter les structures de l'occupant. Ce qui veut dire frapper l'ennemi en plein cœur. Grâce aux documents qu'on a trouvés dans le train, Rousseau et moi, nous allons nous faire passer pour des nazis pour infiltrer la garnison. Par ici, messieurs. Cette caserne est dirigée par le SS und Polizeiführer Heinrich. Il n'a pas pu me capturer. Il a pris mes parents, puis mon mari, et enfin, mon fils. Cette nuit, l'ensemble de nos pertes, l'ensemble de nos combats, aura un sens. Cette nuit, nous reprenons la ville. La caserne. Notre contact sur place nous fournira les explosifs. Quand nous aurons fait sauter le portail, ce sera à vous de jouer. Nous comptons sur vous. Ok, les gars. On se prépare. Les Boches vont pas se laisser faire comme ça. Si on peut survivre à Pearson, je pense qu'on peut tout affronter. J'ai combattu à ses côtés à Kasserine. C'est un exemple de courage. C'est bientôt fini, mes amis. Mais d'abord, il faut prendre des risques. C'est parti. Elle est juive, c'est pour Forêt ça. Nazi. C'est dégueulasse. Non, ne tuez pas. Non. Ce cauchemar sera bientôt fini. Si on vous arrête, il faut absolument que votre histoire tienne la route. Revoyons ça encore une fois. Vous êtes Gerda Schneider, attaché militaire. Herr Spiegel des renseignements vous envoie pour organiser l'évacuation de Heinrich vers Berlin. Prenez bien le temps d'étudier le dossier. C'est notre seule chance. Recruter notre taupe nous a coûté très cher. Vous devez le retrouver et échanger votre mallette avec la sienne. Normalement, il aura les explosifs pour faire sauter les portes. Vous vous en faites trop, Major. Oui, mais c'est mon boulot. Je vous retrouve devant la garnison une fois l'opération terminée. Je suis une femme. Qui vous envoie ? Herr Spiegel. Bien. Quoi qu'il arrive, quand vous aurez fait l'échange, vous devez absolument garder la mallette en permanence avec vous. Après ce que j'ai vécu, je suis bien déterminée. Je suis Rousseau. France Spiegel, ok. Faut que j'y pense. Danke sehr, fahren Sie weiter. À mon tour. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich wurde aus Berlin hier versetzt. Seltsam.
Laut Ihren Papieren sind Sie hier, um Polizeiführer Heinrich bei seinen Reisevorbereitungen zu helfen. Beeilen Sie sich, White Devil, ich bin in Eile. Natürlich, meine Herren. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Oh, je me suis trompé. Je suis pas sûr. Je sais plus ce qu'il m'a demandé. Ah, motif de voyage, regardez. Je crois que c'est ça qui est marqué. Document de voyage. Ah, on peut refaire ou pas? Attends, si je t'agresse, hein. Attends, on va visiter Paris. Est-ce qu'on peut aller où on veut? Eh ben non, je vais recommencer. Voilà. Un gros enfant. Oui. Mais je voulais visiter Paris. N'oubliez pas, votre contact s'appelle Fischer. Il Fischer. Porte un uniforme d'officier gris. Fischer. Quel est le mot de passe? Verlaine. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Schönen Abend noch. Gleichfalls. Okay. Muss ja neu sein. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Ok, on se croirait pas du tout dans un Call of Duty là, franchement. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Ah, faites exprès. L'ascenseur. Oh, on peut. Ok. C'est lui. Personal darf hier nicht weiter. Stopp! Ich sagte doch, kein Zutritt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Ein Gestapo wie ein Kindergarten. Das ist ein Scherz, oder? Nein. Okay, bitte sehr. Wenn ihr Gefangenen anstellt, ich werde den Rest meines Lebens diese Schreie nicht vergessen können. Herr Heinrichs Büro ist im zweiten Stock. Was wollen Sie von ihm? Ces documents de voyage. Ich habe Reisedokumente für ihn. Ja, also gut. Gehen Sie. Ah, voilà. Kennst du sie? Wieso sind sie noch nicht weg? Depot. Sie kommen mir irgendwie verdächtig vor, Fräulein. Begleiten Sie mich. Ha! Très bien. Salut, t'es moche.
Putain, et les gars, je suis un galérien. Balkon ist zurzeit gesperrt. Stopp! Ich sagte doch, der Balkon ist gesperrt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Ich habe sie hier bei mir. Was haben Sie in der Aktentasche? Dokument, ich habe Reisedokumente dabei. Alles in Ordnung. Gehen Sie weiter. On peut pas reprendre l'ascenseur ou une connerie comme ça. Putain, non. Et c'est où qu'on doit aller, putain. Les gars. On va mettre un accéléré. Alors, ok. Elle est là-haut. D'accord. Je suis paumé. À mon avis, il y aura un accéléré. Ich habe Oberführer Dressler nicht gesehen. Ich bin an der Rezeption angemeldet. Ich bin sicher, dass das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich, der Wachmann in der Empfangshalle, meinte, ich soll diese Treppe nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Okay, faut arriver devant lui. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allé en haut et j'ai fermé. Et comment on ouvre? Comment on ouvre, les gars? Ah! Wieso sind sie noch nicht weg? Hast du sie schon mal gesehen? Arthur, können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Ah, c'est lui. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Ouais, c'est lui. Oh putain que c'est bon. Je l'ai enfin trouvé. Il faut faire vite. Vous êtes prêt à faire l'échange? Non, il est trop tôt. Et je dois partir en réunion. Les
explosifs seront dans une mallette comme la vôtre. Nous ferons l'échange en salle d'opération. Passez devant. Non, il me surveille. Vous devez vous infiltrer dans le bureau d'Heinrich au troisième étage. De là, vous pourrez traverser l'aile nord et éviter les contrôles. On ne doit pas nous voir ensemble. Partez, rendez-vous en salle d'opération. C'est pas ouvert ça tout à l'heure. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Très bien. Il traduit, il traduit, il traduit. Ok les gars, j'étais surposé. Ich habe sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe von Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Puh. Dazu kommen wir noch. Vielen Dank. Danken Sie mir noch nicht, Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. For as you know, I'm sure, practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. Yes. Herr Gruber wanted you back in Berlin. Did he, Fräulein Schneider? And I thought it was Herr Spiegel. Je suis con, moi, en fait. Yeah. Oh, well. The only constant is change. All we can do is... Hey, j'espère que ça n'a pas de conséquences, hein. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan. That tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh. Oh, oh, ce bâton. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Ah. Carré. Ok.
Je sais pas ce qui serait passé si j'avais chuté. Ah, t'es mort comme une merde. Putain. Casse, faut que je me casse. C'est bien fait par contre ça. Je suis tout petit là. Les pattes. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Mach die. Wie? In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor! Auch von Paris wissen wir. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Nehmen Sie so viele Gefangene. Der Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Okay. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah! Vous ne me décevez jamais. On a un problème. Ils sont tous en état d'alerte. Ils ont capturé notre contact. Vous avez fait l'échange. Oui, j'ai les explosifs. Alors on change rien. On se retrouve dans la cour, une fois les charges posées. Je dois me faire discrète.
Encore une dernière. Maintenant, c'est à vous et vos hommes de jouer, Daniels. Ok, les gars. Une mission assez longue, plutôt. Il y a un truc qui cloche. On devrait y aller. Putain, culé, fils de pute, Léon. Et pourquoi aide les gens? Putain. Il faut plus de munitions, chef. Voilà, soldat. Il faut cette route de secours. Lancez une grenade,
Comment je meurs? Ah putain, il faut que je reste juste derrière, mon gars. C'est horrible. Hein. Je promets, les gars. Attendez, je vais faire une pause. Tire les poteaux. Donc, ouais. Alors je pense que ça va être une mission qui va être assez longue. Je suis sec, chef. Je suis même pas sec. Pas qu'un demi avec un chargement dans la gueule, toi. Où est-ce qu'ils sont? Elle m'a pété sur moi, quoi. Putain. Relais poteau. Putain. Où ça, sergent? Avancez encore. Et bon, on va s'occuper de haut en haut. Avancez! Avancez! Enculé là, non? Ouais. Ah, mais qui est celui qui est là-haut? Ah oui. Lui aussi là. Ça y est, ils ont zéro pouvoir. Hein. C'est comme une nage. La garnison est nettoyée. C'est pas encore fini. Les Allemands vont bientôt contre-attaquer. Il faut établir nos défenses. Suivez-moi. Et poteau. Très bien,
Oh, lui, ça va, il a giclé son... Je recharge, non, attendez, monsieur. Zone nettoyée. Daniel, Jusman, allez sécuriser le premier étage. On va faire le ménage ici. Ventre, Fritz. J'ai ta trousse de secours. Il faut préparer les défenses. Les Allemands seront bientôt là. On les verra arriver. Mais nique ta mère. Si ça me fait avancer. À plein ventre, Fritz. Daniel, sécurise l'ennemi. Ok, c'est bon. Il faut préparer les défenses. Les Allemands seront bientôt là. On les verra arriver d'ici. S'ils s'approchent, on balance des molotovs. Ok. La ville tout entière s'est soulevée. On y est presque. Ils balancent des fumigènes dans la rue. Les voilà. Daniel, vise le chauffeur. Pour tous les autres, attends qu'ils soient à portée. Joli tir. Oh, je sens que... Faut que tu les éloignes du pont. Ouais, par contre, c'est... Cette compétence, putain, elle est bien. Mec, par contre, on le voit pas. Les snipers dans l'immeuble sur la rive opposée. Ok, les poteaux. Comment lui? Il tente une percée, faut que tu prennes tes molotovs. Ah, vite. Je veux qu'il s'allonge pas. Bah, je suis mort. Ah non. Partie de la cinématique. Faut qu'on dégage de là. Viens, Daniel. Alf Krak en approche. Daniel, prends ce Panzer Strike et détruis le Alf Krak. Ok les gars. Ok les gars.
Très bon travail, les gars. Très bon travail. On l'a fait. Les forces de Gaulle entrent dans la ville. On dirait bien qu'on aura du champagne et du caviar, finalement. Hé, hey Daniel, tu penses qu'on va trouver une jolie jeune fille qui rêve d'un beau TI? Désolé, l'ami. C'était seulement pour te motiver. C'est maintenant qu'il me le dit. La ville lumière. Bonne raison de faire la fête, hein, Crowley. On peut plus reculer. La France a repris Paris. C'est pas encore fini. La guerre continue. Oh, allez, Pearson, laissez-les s'amuser. Ah, ça, c'est le rôle de Turner. Champagne, caviar. Je n'oublierai jamais la prise de la caserne et la libération de Paris. Je crois même avoir vu personne sourire. Nous allons profiter de cet avantage pour avancer jusqu'au Rhin. Eh ben, ce fut une longue mission qui va s'arrêter là. Et du coup, moi, je vais laisser. Salut à tous et à toutes. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Salut à toutes et à toutes. C'était The Pepper.